Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau message flash. On y va. Y a de la ruse ici. Hein. Alors, on est une personne qui fait genre, quoi, tu vois. C'est une personne qui fait genre. Attends, on a des gens, quoi. Genre, je comprends pas, tu vois, ce qui se passe entre nous. Genre, enfin, je comprends pas. On a une personne, tu vois, qui essaie de fermer les yeux sur ce qui se passe entre vous. Une personne qui pense en réalité, tu vois, que fonctionner comme ça va te permettre en réalité comme de lui pardonner. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Attends, on va regarder ça. Ça va te permettre de lui pardonner si elle joue à la personne éventuellement qui n'a pas compris. On a une personne, vous voyez, qui a pris conscience du fait que elle était un peu négligente, vous voyez, envers vous. Une personne qui réalise, vous voyez, que vous lui avez accordé sa confiance et qu'elle n'a pas forcément, tu vois, comme été, je ne vais pas dire à la hauteur, mais qu'elle ne s'est pas montrée être une personne de confiance. Et c'est quelqu'un, vous voyez, qui aujourd'hui, ben, avance, allez, je suis mal, je vis ça, j'ai envie de dire, difficilement, puisque. Peut trouver mieux. C'est embêtant parce que tu peux trouver mieux que moi. Et comme c'est une personne en réalité, vous voyez, qui ne voit pas ou qui ne sait pas, tu vois, dans l'instant, ben, comment arranger les choses. On a quelqu'un qui dit, bon, je vais faire comme si j'ai pas compris. Je vais faire comme si en réalité, voilà quoi. Il faut m'expliquer ou histoire que je tente de rattraper les choses, puisque là, j'ai l'impression que c'est trop tard. On a une personne, vous voyez, qui s'est rendue compte de votre potentiel. Une personne qui s'est rendue compte tout simplement de la personne que vous êtes. Une personne, vous voyez, qui, j'ai envie de te dire, c'est pas la seule personne qui s'est rendue compte de ton potentiel et c'est pas la seule personne non plus qui s'est rendue compte du fait que il y a aussi son entourage. Ici, on a les amitiés, donc on a des personnes autour qui lui montrent en réalité que hé, tu laisses partir cette personne-ci si tu veux. Mais en réalité, sache que des personnes comme ça, une fois qu'elles décident de partir, ben, il n'y a pas de retour en arrière. Et là, ça a commencé à faire réfléchir. Et là, tu vois, la personne, elle a commencé à se dire mince, 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 mince. Comment je fais pour rattraper les choses? Comment je fais pour avoir ton attention à nouveau puisque. Là, j'ai tout simplement, tu vois, comme cette sensation et cette impression que tu te détaches émotionnellement. Être détaché physiquement, ce n'est pas forcément un problème, tu vois. Mais on a vraiment cette impression que au niveau émotionnel, vous avez eu cette capacité, vous voyez, comme de vous mettre sur off. Je sais pas comment tu fais. Mais en te mettant sur off, c'est comme si tu avais montré à la personne que, tu sais, je peux t'aimer comme je t'aime. Je peux avoir envie de faire plein de choses avec toi. Mais si je réalise en réalité que ce sera toujours moi, la personne, tu vois, qui s'impliquera, la personne qui essaiera de réparer les choses, la personne qui doit attirer ton attention à tout va, écoute, il n'y aura pas de relation. Hein. Mais simplement, tu vois, comme en te détachant d'elle émotionnellement. Et c'est pour ça aujourd'hui tu veux qu'on veut c'est pour ça qu'on veut t'attraper aujourd'hui. C'est comme si aujourd'hui t'étais le rêve, tu vois, auquel on veut accéder. Tu vois, c'est enfin, je te désire quoi. Je te désire puisque c'est comme une personne qui avait besoin de l'approbation des personnes autour. Tu sais, comme une personne qui j'avais déjà mon propre avis par rapport à toi.
Mais le fait que les personnes autour de moi parlent de toi de manière hyper positive, ben là, je réalise en réalité que, mince alors, hein. Peut-être j'ai fait du nimp. Peut-être je suis partie dans tous les sens. Peut-être j'aurais dû faire différemment. Peut-être que j'aurais dû être plus attentive ou plus attentif. On a l'impression que partout où elle passe cette personne, et qu'elle ouvre la bouche, et qu'elle parle de vous, n'y a pas quelque chose qui sort en négatif. C'est toujours du positif. Alors qu'éventuellement, c'est une personne, tu vois, qui avait déjà compris son erreur. Je ne sais pas dire son erreur, mais c'est une personne qui avait déjà compris en réalité que son fonctionnement, ben, ça n'aidait pas, tu vois, comme à construire, ça n'aidait pas à avancer, ça n'aidait pas, tu vois, comme à être bien au niveau sentimental. Mais c'est la personne qui a voulu rester sur ses positions en mode, ouais, mais toi aussi, tu peux faire des compromis, toi aussi, tu es censé me prendre, tu vois, comme je suis, sans forcément réaliser que on peut accepter une personne comme elle est. Faut quand même pas pousser le bouchon, quoi. Mais c'est ce qu'on lui a fait comprendre à cette personne. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait, tu vois, que j'ai envie de t'avoir et je vais faire le nécessaire pour t'avoir. Alors, bon, on va pas mentir, hein. La façon de faire laisse un peu à désirer, mais pour le moment, c'est une personne qui n'a pas trouvé d'autre solution. Je pensais que quand j'allais dire, ah ben oui, mais ça fonctionne pas, ben oui, mais on n'y arrive pas, ben. Que les personnes auraient été de mon côté, mais quand je regarde que tout le monde est contre moi et que tout le monde me dit en réalité, bon, c'est toi qui fais du nimp, ça refroidit un peu. Et oui. Et c'est fou parce que pour certains, vous, c'est comme si vous aviez pris le temps de mettre en garde la personne. Et ça, depuis un petit moment, ça fait longtemps. Que tu ne cesses de lui faire comprendre que fais attention. Fais attention. J'aime pas beaucoup, tu vois, cette façon de faire. Je finirai par me détacher. Je finirai par tourner le dos. Mais c'est la personne qui s'est dit, les sentiments profonds, là, tu as de te détacher. Ce sentiment que tu as pour ma personne, là, tu vas prendre le temps de me tourner le dos? J'y crois pas une seule seconde. Aujourd'hui, une personne qui se retrouve, ben. Face à la réalité, hein, j'ai envie de te dire, et personne qui se dit, peut-être j'ai fait du nimp. Donc une personne qui vibre la peur, une personne qui vit dans la peur, et une personne qui va s'approcher en tremblant. Voilà, on va dire ça comme ça. Une personne qui va s'approcher en tremblant, puisque c'est une personne qui réalise que quand tu veux être avec une personne, peut-être il y a plein de façons de faire. T'es pas obligé, tu vois, comme. C'est pas parce que quelqu'un a des sentiments pour toi qu'elle est obligée de rester à tes côtés, tout simplement. J'espère que ça va vous aider. J'espère que tu prendras, tu vois, comme le truc comme il vient. N'anticipe pas. Laisse venir seulement et tu verras que ce sera beaucoup plus facile pour toi de gérer la personne puisque. C'est vrai, il y a la rue, c'est vrai, la technique, hein, tu vois. Bon, tu verras comme tu as envie de faire. Libre arbitre oblige. Je te laisse avec ça. Passe une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, je te dis à la prochaine.